Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et longtemps ça, président, nous connaissons toujours engagé dans la recherche. On a un large consensus pour être capable au moins de ramener le pays à la stabilité. Bon, nous connaissons depuis hier, le président a choisi le docteur Ariel Henry, qui était ministre des Affaires sociales, et une fois, l'autre fois, qui était ministre intérieur et paysan, et qui aujourd'hui, président, et nommé comme nouveau premier ministre et PIA. Donc, les nouvelles-là, les confirmées, arrêté à déjà publié. Donc, PIA, je dis, qui c'est 5 juillet 2021, nous avons un nouveau premier ministre, qui c'est docteur Ariel Henry. Mm-hmm. Et nouveau premier ministre, ça, tant que j'en regardé, est-ce que c'est à... Et un résultat de un consensus qui dégage entre acteurs politiques, comment ça a passé? Bon, premièrement, on connaît que le docteur Ariel Henry, li, c'est monde qui est sorti dans la société civile là et qui milite tout dans le parti politique. Et c'est suite, d'Akadi, à un pile et discussion et chit attendait que le président était engagé avec des acteurs. Et finalement, consensus là, lui dégagé sur la personne du docteur Ariel Henry. Mais objectif là, qu'on y a, c'est qui ça? Par rapport à ce que nous... Bon, objectif là, où est lui que le président lui a demandé pour que capable de gagner un souvelé et un gouvernement d'Acadie et qui est capable de représenter par différents secteurs dans la vie nationale là. Et puis, le président a demandé que le premier ministre travaille avec le nouveau gouvernement, que lui-même travaille pour former et dans les heures qui suivent, et bien pour qu'il soit capable de travailler pour nous arriver à des chantiers et organisation, élection et puis réalisation d'un cadre référendum dans le pays. Ça va dégager là, dans le cadre de formation gouvernement, comment ça va le fait? Bon, typologie ça, et capable de dire que moi-même, moi, pour qu'on gagne un élément, yo, et non, mais moi, parce que moi, pas participer dans la discussion qui dégageait consensus ça. Donc, permettre moi que partager avec vous l'information que moi-même, moi, gagne. Mais pour suite là, en autant pour nous, ouais, qui personnalité, qui secteur qui va le présenter dans la formation cabinet ministériel. Il y a deux conseils des ministres qui font pendant le week-end, non, ils ont fait samedi. Et le ministre samedi, Minicio, était adopté et le décret électoral. Ça veut dire document légal qui pour faire que l'élection faite dans le pays, document ça, il sortit déjà dans le moniteur spécial. Et il conseille hier, c'était tout d'abord pour le président qui est capable d'informer le premier ministre, Minicio, sur les décisions qu'il prend pour le capable de nommer. Et après, Dakadi, consultation, Premier ministre, Dr. Ariel Henry, et surtout remercier ensemble des ministres, Premier ministre intérim, sous Dakadi, contribution que vous portez par le pays, non, participation en d'un gouvernement, joute là. OK? Donc maintenant, l'arrivée que. Président Dakar dit que lui prend une autre décision, on l'autre arrêté. Côté président, lui accordé et pleine et entière décharge à un ensemble d'anciens premiers ministres et ministres qui étaient servis pays de 1991 à 2017. Et notez bien que le président Jovenel Moïse est rentré en 2017 et ministre et premier ministre qui étaient servis sous la présidence. Les Jovenel Moïse, ils n'ont pas fait partie de mes usages. Ou même, ou c'est un citoyen qui est engagé, ou son qui est avisé,
et où est devant là en pile bagaille passé déjà qui sa population doit espérer de nouveau premier ministre par rapport à titan qui était là. Bon, et tout d'abord faut que moi dire que et rivé n'a pas dit à et nomination premier ministre Ariel Henry, c'est déjà son preuve de dépassement de la part du président de la République que nous avons salué là, qui fait dépassement, qui est d'accord que pays a besoin d'union, pays a besoin d'être ensemble, pays a besoin de participation tout le monde pour que nous soyons capables d'arriver d'aka digérer et s'endakare les restes républica. Donc pays a c'est pour nous tous, donc tout le monde qui a pu vivre là-dedans et quitte ou dans l'élection va aller, donc ça veut dire que des accords nous yo nous capables et mettre au sous côté pour que nous capables chercher le minimum consensuel pour que pays a capable aller vers la bonne direction, puisque je vous dis n'a fait face à plusieurs problèmes. Donc nous gagnons et un problème et d'aka dit d'insécurité, nous avons un problème politique, nous avons un problème et de pandémie et de coronavirus qui là depuis l'année dernière, qui a frappé le pays. Hein. Donc ça fait que Jodia et Sony, l'est nécessaire, l'est indispensable pour que tout Haïtien capable de dégager un minimum d'amour propre pour le pays pour que nous capables de vivre sorti non Kachouboumbe que le pays a trouvé le journée. Domination faite, bon, mais moi pensais que puisque de toute façon il faut gagner un gouvernement et je pense que le pouvoir politique là lui-même il a une dynamique pour monter un gouvernement pour prendre en charge les affaires de l'État. Et M. Saak qui est un docteur en médecine et qui dans le passé était un ministre. Donc, bon, je pense que les Kenyans ont suffisamment de connaissances et d'expérience pour comprendre la situation pays qui lui-même nécessite un effort, qui nécessite des sacrifices. Pour que chaque monde rentre dans même l'opposition, le pouvoir, et pour nous joindre au modus vivendi, parce que modus vivendi est indispensable, parce que sans modus vivendi, ça, nous ne pouvons pas de côté que le pays s'abri aller. Nous, on va se passer dans Delma 32, c'est un bagage grave que nous avons. Vous comprenez? Donc maintenant c'est comme si que bon peuple haïtien n'est pas contre sous bras qui est sié. Alors que je crois que même lorsque pas des députés, pas des sénateurs, mais il y a une constitution qui te confie la responsabilité de la sécurité au gouvernement de la République, au président. Et au premier ministre, au ministre de la justice et aux forces de l'ordre. Forces de l'ordre, c'est la police et nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Bon. Maintenant, ce qui est plus important, c'est que les forces antagonistes, eh bien, eux-mêmes, ils font un recul. Et que tout le monde fait un recul, font prise de conscience, battre cœur, parce que le cœur, c'est dans le cœur qu'est le génie. Ok? Et puis, pour rappeler un bagage. Et nous avons ça dans la Bible avec Moïse. Et l'intégrité en Égypte, côté que j'ai gagné une série de juifs qui étaient là, et que je suis un cœur même déjà. Il n'y a pas de déchiré. Il te dit, yo, nous sommes tous frères. Vous êtes frères. Vous êtes des frères. Et pourquoi vous êtes en train de déchirer vous les uns les autres? Donc, moi, que c'est ma situation, ça a nié. Pas de nécessité pour ça. Et moi-même, j'ai toujours préconisé la table. Parce que la table a gagné
yon propriété li genyen et yon propriété pour aider à résoudre des problèmes. Parce que les face-à-face, les forces qui en contradiction, qui en opposition, le Chita, les problèmes sont posés, eh bien, les solutions sont trouvées. Donc, c'est pour ça moi-même, et moi, souhaiter que nous aboutissions à un genre de gouvernement qui impliquait les forces de l'opposition et le pouvoir qui est en place. Voyez-vous, moi-même, c'est position ça, parce que moi-même, en 1946, côté que la situation était très difficile, et avec un président qui était fait criser, qui était le président estimé, qui était élu au second degré, et les masses de Port-au-Prince qui étaient sous la conduite du professeur Daniel Fiolet, eh bien, il n'y a pas de flé. Donc, l'élu, c'est avec tout le jeu qui était accueilli. Mais par contre, et cet homme de la Tibonite, eh bien, il était une grosse sagesse, il était ouvert bras, il était ouvert main, il était fait appel et à l'opposition, à tout le monde qui était dans la rue. Donc c'est ainsi que nous avons gagné le professeur Daniel Fiolet du MOP et le docteur Rigaud du Parti Socialiste et d'autres encore qui étaient acceptés, formés et y a un gouvernement d'ouverture et qui, eh bien, peut aller et chercher solution à problème. Nous pas qu'à dire que tout problème est résolu, mais quand même, nous voyons que le professeur Fiolet, c'est seulement 65 jours qu'il était dans le cabinet ministériel là, mais dans 65 jours ça, eh bien, il est en réalisé un bon bagage qui profite à vos pays, qui profite à vos gouvernements et qui profite à vos banques. Mais qu'on y a, président, nouveau premier ministre, qui va le commencer là, avec une société sur le plan politique qui divisait comme ça. Comment on fait pour recoller et pour recoller morceaux? Moi, je pense que les priorités des priorités, il faut que l'insécurité à qui n'est plus bien, eh bien, il faut trouver une solution à l'État. Moi-même, je ne suis pas un homme de sécurité, je n'ai pas des compétences pour ça. Mais moi, je crois que j'ai un monde dans le pays qui a des compétences sur ça. Et c'est aussi la responsabilité du Premier ministre, la responsabilité du ministre de la Justice et globalement la responsabilité du président de la République pour le rendre en façon pour mettre un terme à la situation de sécurité. Ça. Parce qu'aucun pays, parfois qui avance, parfois qui progresse avec sa nouvelle là. Vous comprenez? D'accord. Donc, c'est pas possible. Mais... Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut beaucoup d'abnégation. Parce qu'il faut que les forces qui sont là, les forces politiques, eh bien, ils comprennent que, bon, intransigeance ça, c'est bon, oui, mais il y a une limite. Autrement dit, il ne faut pas quitter bagaille ouvert au mouvement côté code la cassée. Parce que les codes à casser, il n'y a pas beaucoup de personnes. D'accord. Okay? Merci beaucoup, si, président. Parce que si je dis, nous tous à nous là, c'est parce que lorsqu'il se fut agi pour voter une loi électorale pour l'élection qui est faite pour les députés sénateurs, renouvellement du siège du Sénat qui est faite, eh bien, si les gens comprennent la nécessité de mouvement qui est pour te camper, pour permettre que ça soit capable de faire, eh bien, je dis à nous pas d'après. Donc, en calendrier électoral, là, et CEPA a été demandé au gouvernement pour que la date 4 juillet, et qui c'est date limite, qui pour permettre que le décret électoral est sorti. Donc, effectivement, et en dans le conseil des ministres à l'extraordinaire samedi, le conseil ministre a décidé pour que il a adopté le projet de décret électoral soumettre par CEPA, qui vous permettent de faire l'élection dans le pays. Donc, c'est un document de 347 articles qui est disponible. Moi, je pense que aujourd'hui, le pays a en mode élection, genre que le gouvernement et le président Jovenel Moïse, lui-même, l'été promettre. Et maintenant, il y a des dates clés. Et le 6 juillet,
c'est date début, et m'ta capable dit enregistrement parti politique. Pas bien que parti politique a un rôle fondamental dans la question élection. Donc, il y a pour inscrire et c'est vers pour aller pour publier liste des partis agréés. Ensuite, pour aller un regroupement de partis politiques qui pourra le faire pour créer des regroupements. Et certainement, la prochaine date critique, là, c'est la date du 16 juillet, qui est même cette date début enregistrement tout candidat qui va aller dans l'élection présidentielle, dans l'élection législative. Là. Et on a parlé de sénateurs et députés. Donc, c'est ça qui est bagaille qui est fondamental là. Et je pense que le président tout est prometteur pour que facilite l'élection, il travaille sur la question de sécurité, il travaille sous question et capable d'accord politique et dans ce sens ça on croit que tout ou après que dans même temps ça gagne et un premier ministre qui choisit Jean président annoncé c'est docteur Ariel Henry qui c'est quand même une personnalité très transversale et dans le secteur politique là et qui pourra aider accompagner le président pour que l'élection le G7 dans le pays. Ça veut dire qu'on y a conseil électoral là gagné et un cadre légal pour agir en matière d'organisation et élection. Mais oui, correct, c'est ça. Eh bien, maintenant, en ce qui a trait au budget maintenant. Non, et budget et bien pile financement et bien pile corps qui est à décaisser et nouveau gouvernement pour gagner pour adopter un budget et certainement et quantité corps qui a besoin pour faire élection et à référendum yo et ben quoi que gouvernement pour gagner pour les dispositions pour mettre comme ça à disposition c'est fait. Ou même qui a une relation qui a plusieurs questions relation toi avec parti politique yo qui est déterminant dans organisation élection comment va booster pour loi électorale là prévoit et dans décret électoral là prévoit comment et subventions et parti politique yo même yo va faire dans moment. Merci à pas bon pour nous. Bon, si y a tellement pas bon, nous pas qu'à lever, nous pas qu'à vendre. Bon, mine là depuis le matin, bon, si m'da zoom bal la kaye, moi, l'on m'a demandé prêter 600 gouttes pour mal la kaye, moi, m'ba vendre rien, nous pas vendre. Bah, coronavirus, ça, mettez nous, tête en bas, nous pas vendre. Nous pas qu'à lever bonnet, nous pas qu'à l'acheter, y a fouillé nous, y a touillé nous. Bon, enfin, nous pas qu'on ça pour nous faire. Bon, nous sentis nous stressés, bah, y aurait nommé nous, nous pas qu'à l'école, nous prêter quoi des scouts, nous pas qu'à payer, quoi bio nommé nous pas qu'à payer. Bon, nous presque marrons. Bon, on a vu cela. Nous comprenons que c'est fidèle. Bah, ça va prouver sur nous. Mon cher, ma chère, ça même son bagage tête chargée. Chaque monde qui vient, il y a un petit cal, il y a un. Mais quand nous avons la rue à son machine perdu, fouin là, c'est Jésus qui a épargné nous. Nous pas de marché, nous pas de l'eau. Nous pas de. Bon, enfin. Nous pas de si qui marche ça. Ça va marcher pas comme ça. Nous obligés de sortir. Si moun yo nan men nou faut manger faut obré faut aller à l'école nous pas cacher la ca nous même qui est les pays à insécurité nous veut je sortir pour nous chercher la vie pour ti moun yo donc vers 5h pour aller 6h nous pas ca arrêter dans la rue faut nous courir pour entrer nous ça sorte pour pays à changer que Jean Lier là combat nous joindre nous être là nous être dans là depuis matin nous là nous va manger rien parce que n'a pas garder moi même qui faut pas master le film mon petit problème. Le stomac, même toujours marche à masse, moi. Marche à l'alcool, moi. Marche à goûter de chloros, moi. Pour me laver, même. Pour me porter, même. Ça veut dire, nous, là, nous pas bon. Nous pas bon, même. Il y a tout ce qui se fait travailler. Et là, nous mangeons. Et là, nous faisons tout à fait. Ça veut dire, nous sommes bon Dieu. Bon Dieu, pour faire pour nous. Parce que nous pas bon, même dans ma chair. Ma chair a commencé. Nous commençons à faire très bien. Après ça, nous campons. Moi, je ne vais jamais venir travailler encore, nous ne pouvons pas ça passer. Si c'est campé, on campé net, ou bien si y a campé pour venir continuer, faire ma conne. Vous comprenez? Nous là, nous ne faisons pas, mais nous avons pris soin de tête. Parce que nous connaissons qu'on arrête. Bon, sécurité, nous ne sommes pas chers. Sécurité, c'est notre sécurité tête. Vous comprenez? Et puis nous voulons l'air, nous ramasser dans la caille. Le seul bagage, c'est de laver les mains et puis et mettre les cachets pour en proportion pour bon Dieu capable de. Je pense que c'est un plaisir d'être nous passer dans le marché de la coupe qui se marche coco et sur route frère. Nous même nous chita là depuis le matin, bon. Mais ça, on a vendu et cabrit. Ça, c'est cabrit, nous sortis. Quatrième section, Belleville à Montaille, de greffé, Fort Jacques Prolonge. Nous sortis chaque matin pour nous arriver là. Chaque matin, nous avons payé $50 pour nous. Nous avons vu là, chaque matin, nous obligé de payer $50 pour porter ma toile ou quatre cabrit. Bien cochon, si on ne peut pas prendre un cochon pour, il faut qu'il y ait $100.
ça tout l'on vit si le plus gros est 150 dollars. Tant pour nous venir, après nous te convient ça. Nous t'a montré nous. Nous te convient nos grands gabouts pour ça. Mais 500 dollars, 400 dollars, tu es comme un gigo à 200, 250, qui égale à 1250 gouttes. Mais pour nous, alors, 1000 dollars presque pas acheter ça dans mes métiers. Divine très 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 chère dans mes mains. Mais quand il y a un bol à caméra, vous avez 350 gouttes pour acheter ma midi. Vous avez 1000 gouttes pour acheter un galon d'huile. Vous avez celle qui était pour piller. Vous avez mis celle bol à caméra, vous avez 125 gouttes. Si vous avez la velle pour 75 gouttes, vous avez bol à caméra, c'est 125 gouttes pour l'acheter. Vous avez un mami de sucre, bol à caméra à 325 gouttes, qui égale à 65 dollars. Haïtien pas nous. Des fois, on va aller la fouiller. Bon, le matin, nous ne pouvons pas faire. Quand on finit de tuer, on va aller fouiller. Dans l'autre fois, Jacques, on va nous faire ça que les courants. Dis tout. Nous avons plus que 4 mois depuis que nous coupons les courants. Nous passons le mois de décembre sans courant. Plus que 6 mois même. Parce que quand on a un magistrat qui a coupé la route, beaucoup ont coupé toute la porte électrique. Nous n'avons pas de route. Ce matin pour célébrer la consécration de ce lieu de culte au Dieu Tout-Puissant et très bon. Après s'être détruit par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Nous voulons également rendre grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont contribué et collaboré à un niveau quelconque à cette merveilleuse œuvre humaine. Et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix dans la Sainte Église de Dieu soient toujours avec vous. Frères et sœurs très chers, au moment de consacrer cet édifice par une liturgie solennelle, supplions le Seigneur notre Dieu de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous d'abord, en signe de pénitence et rappel de notre baptême. Méditer le psaume 122. Saint Paul, dans la deuxième lettre, il est écrit Corinthiens, dans le chapitre 12, dans verset 7, rivé verset 12, a réagi sous l'île l'a mené pour ne pas vanter tête lui. Comme ça, c'est dans Jésus-Christ qui joint une force dans la faiblesse. On suit avec un pile attention. Comment mettre la veine nous tous? Mes bonnes nouvelles, Jésus-Christ, après ma question. Saint Marc, chapitre 6, prenant verset 1, arrivé dans verset 6. Cher Père des cieux désiré, curé de la paroisse, cher Père Alfred Kenol, vicaire, mes frères, dans le presbytérat, chères sœurs, monsieur le directeur général des cultes, chers amis, paroissiens, paroissiennes de cette année, chers diacres, frères et sœurs bien-aimés, nous voici dans la belle église de cette année qui se dresse au cœur du quartier de Montnatuf,
comme un signe vivant de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Bénissons le Seigneur qui nous permet de nous retrouver en un lieu si cher, au cœur des Port-au-Prince, 11 ans après le séisme dévastateur qui emporta l'ancienne église ainsi que son pasteur, le Père Anou Chéri. Bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce de lui rendre la louange qu'il mérite avec les paroles du psalmiste. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous arrivons dans la partie centrale célébration jeudi. Avant Monseigneur Max Leroy fait la prière pour consacrer l'autel là, nous avons chanté litanie des saints pour demander tout Saint-Yo intercéder pour nous, et pour toute fidèle, qui a gagné pour venir la prière ici là. Seigneur, prends pitié. Que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. Du Seigneur. Voici celui qui bâtit son église, le prophète incompris, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
joyaux qui faisaient l'admiration de tous les visiteurs et la fierté de tous les fidèles a été emporté en très peu de temps par le puissant et violent séisme du 12 janvier 2010. Grâce à la robustesse de notre foi, à la solidarité de nos partenaires étrangers et à l'effort local, nous avons réussi à la rebâtir à l'identique pour satisfaire le goût des fans et respecter la réalité historique. Fidèle Sainte-Anne, dans 3 semaines, c'est pour le patronat là. Déjà dit nous, bonne fête, que Sainte-Anne, grande qui remène en pile Saint-Joachin, la prière pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour la dédicace de cette église. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour t'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.